Sans scrupules comme toi, ça ne peut qu'arriver. Je te permets pas de me parler sur ce ton. Tu me manques le respect là. Donc tu penses que tu mérites le respect? Maman, je crois qu'on parle, tu penses que tu mérites le respect? Je pouvais mille fois donner mon respect à un chien, car toi, une voleuse, une anarchiste comme toi. C'est à moi que tu dis ça? Je te jure, ton travail va finir. Maman, Choco, depuis longtemps, j'attends que ton miracle se fasse. Mais je suis là. Mon business continue de prospérer. Dégage là. Et ton vieux sac. Là, c'est chaussures. Tu vas marcher toujours à pied comme ça. Mais mon père, je ne te donne pas. Mieux de rentrer avec, affamé. Tu changes de boulanger, mon... C'est quoi? Voleuse. Regarde, Ligna. Je pense que tu es le seul. Je cherche un autre boulanger, monsieur. Ton pain, là, c'est même un bon pain. Je vais changer même de boulanger. Monsieur, on va lui faire la recette, il craint. Il était une fois une femme qui vivait en abonné avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. J'ai un ami du travail qui vient de m'appeler qu'on va se déplacer pour une semaine hors de la ville. Et demain nous partons. Pardon? Mais j'étais pas au courant de ce programme, chérie. Moi non plus, je viens de recevoir un message de lui et malheureusement, nous devons partir demain. Tu es en train de me dire que je vais rester toute seule dans cette maison. Mais non, voyons. Tu as des amis, tu as des copines. Tu pourras les appeler pour venir passer du temps avec toi. Et tu sais, ce projet, je suis dessus depuis ça fait un an. Et après mon retour, je veux que la galère soit un mot conjugué au passé. Je te ferai faire le tour du monde. Tes amis, tes copines, ta famille seront tous jaloux de toi. Oh, tiens, non, chérie. Que serais devenu sans toi? Mais j'espère que tu vas rentrer vite. Aussitôt, bien sûr. Mais, Lélie, puisqu'on a encore fait une avance sur le travail, je me demandais si tu pouvais me trouver un peu d'argent pour que je voyage. Tu sais, c'est pas bien de voyager avec les poches vides. Et déjà, étant là-bas, tout l'argent qu'il m'avait donné, je vais te l'envoyer dans ton compte. Tu as raison, chérie. Tu dois toujours avoir quelque chose sur toi. Laisse-moi appeler ma grande sœur. Tu vois, celle qui a la boutique au marché central. Là. Si elle te donne même 100, mais je pense que ça peut aller, n'est-ce pas? Ben, attention. Faudra lui dire que c'est à remettre à mon retour. Je ne manquerai pas, chérie. D'accord, mon Dieu. Ok, laisse-moi l'appeler tout de suite. Okay. D'accord, merci. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. La journée a été. Oui maman, mais on soutient dans 3 semaines.
Et si avant ça, la troisième tranche n'est pas achevée, je reviens l'année prochaine. Décidément, c'est ma journée. Je vais arriver. Ok. Va te changer, tu viens rester avec Maria. Je vais aller au marché acheter le truc. Bonjour, ici. Bonjour, Maria. Voilà, je voulais te dire. Non, s'il te plaît, permets-moi. Je me change, je reviens, on va causer, d'accord? Edmond, ce soir, je dîne avec les enfants de ma petite amie que tu connais là. C'est déjà une bonne chose. Mais je suis un peu inquiet. De quoi? Tu doutes de ce que tu ressens pour elle? Non. C'est pas elle le problème. Tu sais, je l'aime bien. Je me demande ce que ça sera avec les enfants. Elle a trois grandes filles et deux vivent avec elle. Moi, à ta place, je miserais sur ce que je ressens pour les mères. À t'entendre parler, c'est très facile, hein? Et si elles ne m'acceptent pas comme leur père? Bats-toi qu'elles t'acceptent d'abord comme l'amant de leur mère et le reste s'assurera. Voilà. Hier, non. Quand je rentrais, j'étais un gamin agressé. Comment ça? Qu'est-ce qu'il te voulait? Il t'a pas fait du mal, j'espère. Tout va bien, j'étais sur la route. Il m'a appelé, je me suis arrêté là, commencé à me dire que je suis belle et qu'il m'aimait. Oh. Maria, ce n'est pas agresser ça. C'est draguer, faire des avances, courtiser. Tu m'as fait peur là. Il avait les gros mots français qui sortaient de sa bouche. Il y a ce que je comprenais, non. Et ce qui était beaucoup, beaucoup là, je ne comprenais pas. Et tu lui as dit quoi? Rien. Je ne comprenais rien de tout ce qu'il disait. Écoute, Maria. Tu dois faire attention. Mais alors, très attention. Certains hommes viendront vers toi maintenant. Juste pour profiter de ta situation. T'utiliser et te laisser après. Tu dois être très astucieuse. Pourquoi tu parles comme nous? À quoi? Je veux dire, tu dois être très intelligente, Maria. Surtout en ce qui concerne les hommes. D'accord? Très intelligente. Tu as compris. Fais très attention. Je ne te comprends pas. Tu es devenu tellement distant. C'est que je n'arrive pas à digérer ce problème d'enfant entre nous. C'est pas comme si c'était moi le problème. Les médecins ont dit que tout allait bien et que ça viendra. Ah bon? C'est maintenant de ma faute? Donc si tu te tombes pas enceinte, c'est à cause de moi, c'est ça? Loin de moi cette idée. Je veux tout simplement que nous soyons patients comme nous l'ont dit les médecins. Et ça va arriver. Oui, facile de dire. Là, tu as déjà tes enfants. Roger! Oui. Si la relation venait à finir aujourd'hui, qui sortirait perdant? C'est bien moi. Toi, tu as déjà tout eu et moi rien. Je pense que cette conversation prend déjà une autre tournure. On se parle ce soir. Oui, allô?
Dis-moi. Une de tes sœurs a déjà eu de la peine à enfanter? Non. Pourquoi cette question sur ce ton sérieux? Bon. Je veux que tu me fasses un bébé. Quoi? Non, mais attends. Un enfant, ça se planifie. On ne le fait pas sur le coup de tête. Eh bien, ça prouve que tu n'es pas différente des autres. Looks like you lost another one.